Ah, cette musique! Oh là 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 là! Salut tout le monde, c'est Setsky, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le 29e épisode. Et ouais, hein, on avance plutôt bien. 29e épisode de Pokémon Y sur Nintendo 3DS en Unlock Challenge. Hein. Et oui, bientôt le 30e. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais cette musique là de la Frescale, oui, c'est le nom de la ville, hein, je vous le rappelle, me fait vachement penser à une autre musique à laquelle on a vu droit dans un autre jeu Pokémon. Peut-être que je dis une bêtise, mais voilà, ça me rappelle vraiment trop une autre musique d'un autre jeu Pokémon. Enfin bref, peu importe, je m'égare. Donc la dernière fois, qu'est-ce que nous avions fait? Ben tout simplement, je prends la petite carte. La dernière fois, nous avions simplement continué à traverser la route 15, voilà. Donc nous avons fait un petit détour par l'hôtel Désolation, je crois, un truc comme ça. Donc on n'a pas pu continuer parce qu'apparemment on n'a pas le niveau de roller requis pour pouvoir avancer plus. D'ailleurs, si vous le savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire comment faire pour aller jusqu'au bout de l'hôtel Désolation sur la route 15. Donc malheureusement, vu que je tourne cet épisode à la suite du précédent, je peux pas voir vos retours sur l'épisode 28, mais voilà. Mais une fois que j'aurai vu vos retours, ben j'agirai en conséquence, voilà. Et c'est à peu près tout ce que nous avions fait. Nous sommes après arrivés dans cette ville. Voilà, nous sommes et pas nous hommes, parce que nous hommes ça ne se dit pas, n'est-ce pas? Et donc, avant de continuer plus loin, je vais vite fait faire un truc. Si vous me le permettez, je vais récupérer mon Ronflex, que je vais mettre dans mon équipe. Parce que il y a un truc qui m'intrigue beaucoup. Il y a un truc qui m'intrigue beaucoup. Alors je sais pas si scénaristiquement parlant c'est nécessaire, ou même si on doit aller là où j'ai envie d'aller, mais ça m'intrigue trop, j'ai envie d'y aller. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. Si vous vous souvenez bien, dans la partie précédente, il y avait une route vers le sud, donc juste là. Donc voilà, chemin tristesse, qui m'intrigue vraiment beaucoup et j'ai envie de voir ce que ça cache. Voilà, tout simplement. En plus, vu que c'est une nouvelle zone, je vais pouvoir capturer un nouveau Pokémon, donc c'est tout bénef. Voilà. Donc, un combat aérien. Ouais, mais j'ai pas de Pokémon vol. Wouh, quand même, le nombre de combats aériens que j'ai loupé, je suis assez dégoûté. Donc alors, ouais, il y a un par ici. Ah, il y a encore un chemin souterrain là. On va y aller vite fait. Ah, c'est l'autre partie de l'hôtel Désolation. Je crois que j'étais jamais arrivé par ici. Bon, on va laisser Donovan pour l'instant. On va voir comment on va s'en sortir. Ah, en plus, il faut éclater Rock. Je suis assez dégoûté. Oh non! Oh non! 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 Non, 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 non! Non, pas toi! Non, non, parce que s'il me fait destruction, je pète un câble. Non, clairement non. Je pense que je vais me permettre d'utiliser des repousses après ce combat parce que. Non, les Voltorb, ça me fait. Enfin, Electrode. Enfin, bref, ça me fait trop peur ces trucs-là. Ok, donc un saut lourdeau, il est de quel type déjà? Je ne sais plus. Est-ce qu'il n'est pas de type O? J'ai un doute. Apparemment non. Grincement. Ça me baisse quoi? La défense. Ouais. On va faire choc venant pour voir. Ok, poursuite. J'avais pas l'intention de fuir, t'inquiète. Bon bah ça a été rapide. Enfin, plus de peur que de mal comme on dit. Ok. T'es un dur, je voulais juste que tu me laisses en paix. Pas que tu me lamines mon équipe. Ah bah je suis désolé, c'est trop tentant. C'est trop tentant. C'est trop tentant. Ouais, par contre là je suis assez dégoûté. Est-ce que Ronflex peut apprendre Éclat Rock? Il peut. Bah c'est génial, de toute façon vu que je peux pas l'utiliser normalement, j'ai envie de dire Osef, hein, qu'il oublie une capacité même importante, allez au pif, bâillement, voilà, au revoir.
Il apprend Éclatrox, c'est magnifique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des repousses parce que j'ai pas envie. Ah, mais merde, je suis con. Mais quel... Ah, mais non, mais non, mais non, mais... En fait, je pensais que l'endroit où j'étais, c'était une nouvelle zone, mais non, non, j'avais oublié qu'on était encore dans l'hôtel d'isolation, donc du coup, j'ai pas gâché ma chance de capturer un nouveau Pokémon. Désolé, hein, j'ai parlé trop vite. Mais je pensais que l'électroïde de tout à l'heure, c'était le premier Pokémon de la zone, mais non, pas du tout. Du coup, non, ça va, tout va bien. Pas de panique, tout va bien. Tout va bien. Donc, alors... Éclatrox... Il n'y a rien par ici, apparemment. Une Pokéball qui contient plaque ombre. Ah, ça, je crois que c'est pour les types ténèbres. J'espère. Si c'est le cas, ben, je donnerai à Dogsold. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ce genre de truc, ça peut contenir des pièges. Donc alors, j'ai un truc pour toi. C'est pas du roller, mais bon, et c'est quand même. Dégommage. Avec ça, tu peux balancer un objet dérangeant à un adversaire, ou en combat duo, envoyer une baie à un allié mal en point. Ouais, bon. Alors, on regarde vite fait aux alentours. Une poubelle vide. Ah ouais, purée, il y a pas mal de trucs par ici. Ok. Une poubelle, ouais, je vois ça. On utilise Éclatrox ici. Protecteur, ok. Si tu veux. Donc, toi, t'es une dresseuse, ok. Ok, pourtant, vu tes déplacements, on n'aurait pas dit, hein. Je pensais que c'était un PNJ lambda. Bref, c'est pas grave. Léopardus. Ouais, ça va. Oh, cool, génial. Merci de Novan. T'es un boss. D'ailleurs, ça me surprend quand même pas mal d'être plus rapide qu'un Léopardus. Bon, ok, j'ai 5 niveaux de plus que lui, mais quand même, quoi. On parle d'un léopard, là. Enfin, bref, tant pis. Et t'es vraiment insistante sur les léopardus, toi. Alors, d'abord, on a une fan de serpent, ensuite une fan de léopard. C'est la joie. Rugissement. Ok, donc on va faire choc venin pour finir. Ok, génial. Et Donovan passe niveau 46. Génial. D'ailleurs, il faudra que je regarde à quel niveau il évolue, notre cher Donovan. À moins qu'il faut une pierre plante pour le faire évoluer, j'ai un doute. Ouais, il faudra que je regarde. De toute façon, quitte à... Mais reviens ! Purée, arrête de m'ignorer comme ça. Ouais, je disais que quitte à le faire évoluer avec une pierre plante, autant être sûr qu'il ait appris toutes ses techniques de façon naturelle, j'ai envie de dire, avec, enfin, sous forme de boostiflore, avant de le faire évoluer. Donc alors, Mouflet, enfin Mouflair, je crois que c'est un Pokémon de type poison. Donc on va switcher. On va switcher. Tranche. Ah, il fait mal quand même. On va faire tranche aussi. Allez, c'est parti. On est des fous. Bombe acide. Ça baisse quoi, la défense spéciale? Faut que je fasse attention. Lance-flamme. Ouais, j'espère que t'as pas poursuite. Parce que sinon je suis dans la merde. Ok, ça va.
toxique. Oh purée, alors lui c'est la totale. Oh, toi tu vas m'énerver. Toi tu vas gravement m'énerver. On va faire laser glace. Ok. Bah je rêve, lorsqu'il rentre dans sa Pokéball, on dirait qu'il pète. On dirait qu'il pète, c'est dégueulasse jusqu'au bout. Lui. Bon, en même temps, c'est un putois, je veux bien, mais bon, quand même. Quand même, quand même. Enfin bref, Colomar. Sabotage. Oh purée, il va me faire tomber mon objet. Par contre, j'espère que je peux le récupérer après, hein, parce que sinon, je suis un peu dans la merde. On va voir. Donc, alors... Donc, déjà, je vais soigner mes pauvres Pokémon qui ont bien morflé. Ah ouais, ils ont clairement bien morflé. Donc, Bepecha... Ok, ensuite, hyper potion. Voilà, hyper potion. Et pour finir, des potions que j'ai achetées hors caméra. Et ça devrait être bon. Alors, je sais pas si le repousse est encore actif. Je pense que si. Et là, il ne l'est plus, donc je le remets. Je suis déjà passé par là. Je crois que j'ai tout visité à côté. Ouais, je crois qu'il n'y a plus rien à visiter ici. Ok, bon, bah écoutez, on va sortir, je pense. Ouais, parce que je pense qu'il n'y a plus rien à faire ici. Ok, bon, bah on va sortir, écoutez. Pas besoin d'insister. Ah, un objet dans le coin apparemment. Non, purée, c'est pas ici que je voulais aller. Rappel max, purée. Encore une fois, pas un truc super intéressant. Enfin, en jeu normal, ça aurait été cool, mais là... Alors, on va pas mettre de repousse. Ah, une roller skateuse. Demi-tour, sprint. J'enchaîne avec un spin. Et hop, combat. Très bien, très bien. Heidi. Dans les Alpes avec Anne. Ah non, c'est pas pareil. Ouais. Donc, alors, Delcati. Je crois que c'est l'évolution de Skitty, ce truc. Donc, alors, on va faire choc venin. Berceuse. Oh non. Oh non. Oh non. Allez, réveille-toi, s'il te plaît. Dors profondément, ouais. Torniole. Ouais. 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 Ouais, c'est bon, t'as fini? Purée, t'es sérieux? Bon, vas-y, réveille-toi, s'il te plaît. Mais allez, quoi, merde. Allez, s'il te plaît, réveille-toi. Merci. Ok, donc ça, c'est fait. L'acmé signe. Ah, il est type vol. Il est de type vol, on va pas faire les fous. On va pas faire les fous. Je pensais qu'il était que de type eau, mais non. Non, 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 du tout, du tout, du tout. Atterrissage. Du coup, là, il a pris le type normal, si je comprends bien. Parce que atterrissage, je crois que pendant un tour, on prend le type normal. Enfin bon, bref, peu importe. De toute façon, j'ai un des super efficaces contre le type normal, donc... Danse-lui.
Ça, j'aime pas trop, par contre. J'espère que t'as pas hydrocanon ou une connerie du genre. Lame d'air, ça va. Ça va, ça va. Ouais, par contre, il fait assez mal, mine de rien. Je suis quand même pas mal au level par rapport à lui, mais... Ouais, 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 donc... je sais pas si mes Pokémon, ils sont réellement au niveau, là. J'hésite, je suis en pleine hésitation, je me pose des questions. Bon, alors, on va les soigner. Ok, ça c'est fait. Doxold, non, je veux pas de résumé, je veux te soigner. Voilà. Donc, ça c'est cool. Tac, tac. Ok, là je suis aux 16 minutes de vidéo, je vais pouvoir continuer encore un peu. Purée, cette zone, elle me paraît tellement grande. Un autre dresseur. Attention, parce que moi, il faut pas me sous-estimer. Tu apprendras à tes dépens qu'un ranger n'a rien à envier à un top dresseur. Ouais, 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 super intéressant. Alors, j'ai toujours pas rencontré le Pokémon de la zone. J'espère que je fais pas une bêtise. Enfin, voilà, quoi, vous m'avez compris. Enfin, je pense. Ou au pire, bah c'est pas grave. Ok. Sablero. On va garder le même. Ah, mine de rien, avoir un Pokémon de type plante dans l'équipe, ça fait quand même plaisir. Ok. Génial. Et il passe au niveau 47. Et ce rage. C'est quoi ça? Le lanceur essore l'ennemi. Plus l'ennemi a de PV, plus cette attaque est puissante. Et bah ça c'est intéressant, tiens. Plus l'ennemi a de PV, plus l'attaque est puissante. J'ai bien envie d'oublier Parasport. Allez, en plus c'est 75 de précision, donc c'est pas ouf. Écoutez, on lui apprend Essorage, ça peut être intéressant. Ok, bon, on va la tester plus tard. Donc, il n'y a rien par ici. Battons-nous, je veux tout savoir de toi. Ouh là 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 là, encore une stalkeuse, ça fait peur, ça fait peur. Pitrouille. J'espère que t'es pas de type feu. Ouais, donc on va tester Essorage pour voir ce que ça donne. Quoi? Ça l'affecte pas. Ok. J'ai envie de te dire ok. Alors c'est peut-être parce qu'il est de type ténèbre, possible, j'en sais rien. Bon, c'est bon, t'as fini ou pas? Bah, choc venant dans ce cas. Allons-y. Balle graine, ouais, si tu veux. C'est la joie, c'est la joie, c'est la bonne humeur. C'est la bonne humeur. Ok. Ben, encore une fois, choc venin. Ok, ok, ok. Génial. Donc, sur ce, on continue à un objet. Gros champi, ouais, si tu veux. Alors, attendez, je pense que je vais... juste vite fait mater la carte parce que là je sais pas trop où je suis. Attendez, je sais pas si ça va vraiment m'indiquer l'endroit où je suis, mais c'est juste pour avoir une idée parce que... Ok, donc entre la Frescale et Illumis. D'accord. Là c'est Hôtel Désolation, Caverne Gelée, ouais.
La route 4, c'est la route de Neuvartol. Ouais, ok, d'accord. Ok, donc là, on est entre la Frescale et Illumis. Donc si je continue vers l'ouest, j'arriverai à Illumis au bout d'un moment. Et là-bas, je vois deux dresseuses, donc ça veut dire combat double. Ça veut dire combat double. Colimucus. Alors, je sais plus comment s'appelle son évolution. Je prends un truc du genre Némelgon. Oh putain. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Et Sorage, est-ce que ça va marcher sur toi? C'est pas ouf, hein. Franchement, soyons clairs, cette attaque, elle est pas officielle. Hein. Ouais, Croupi. Ouais, par contre, là, on va faire attention. Doxold, viens m'aider, s'il te plaît. Léo. D'accord, on va faire une tranche. Ok, génial. Alerte rouge, je me suis fait fister par un petit genou. Ok, alors. Ouais, là il y a un combat double, donc je me méfie. Hein. On va faire quoi? Super potion. Ah, quand même ce sentiment de découverte que j'avais pas ressenti depuis. Enfin, sur ce jeu, donc forcément que j'avais pas ressenti depuis mon premier let's play. Ça fait quand même un peu plaisir. Hein. Le sentiment de découverte, de danger, de savoir ce qui va nous attendre par la suite. Ça fait plutôt zizir, j'ai envie de dire. Que ma bénédiction soit sur toi et tes Pokémon. J'aime contempler les Pokémon qui utilisent leurs capacités sans s'interrompre. Ouais, ouais, ouais. Donc là, je suis aux 22 minutes. Je sens que cet épisode va durer longtemps. À la Casa Mega Gaga. What? Ah, mais quoique. Les lestages. Ouais. Quoique ça peut être intéressant malgré tout. On va faire sabotage et tranche nuit. On va voir ce que ça va donner. Je crois que ça peut être efficace. Mais c'est nickel! Oh, ce one shot de fou! Respecte mon autorité, ma gueule. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Saisi. C'est quoi ça? Lorsqu'une capacité de soin ou de changement de statut est utilisée, le lanceur vole les effets. Oui, mais il faut anticiper. Et moi, je peux pas forcément savoir si l'ennemi a des capacités de soin ou pas. Donc, ouais, mais non, c'est pas intéressant. Psycho. Oh! Quoi? Bon, d'accord. Pourquoi c'était super efficace? Attendez. Il est de type poison. J'avais oublié. Oh putain. Oh là là. Oh, cette connerie que je viens de faire. Oh là 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 là. Oh purée. Bon ben, c'est cool, hein, on a perdu Donovan, c'est génial.
C'est la joie. Quand je dis qu'à chaque fois, les combats doubles, c'est synonyme de perte de Pokémon, franchement, ça va vraiment devenir, je pense, une théorie fondée et véridique. Chaque combat double, c'est la quasi-garantie de perdre un Pokémon. C'est quasi obligé. Putain, mais sérieux, quoi. Mais si je m'attendais à ça. Putain, c'est... la zone est toujours pas finie. Bon, on va mettre Dusgold en premier, en espérant que je vais pas avoir de mauvaises surprises encore une fois. Putain, mais la zone est super grande. Ah ouais, purée, mais il y a combien de dresseurs ou de trucs à voir ici? Je pensais avoir le temps de tout traverser en une vidéo, mais je crois pas que ce sera suffisant. Ok. Pas très efficace, ouais. Et tranche, ça fera quoi? C'est pas super efficace non plus. Miroitir. Ouais. On va continuer avec tranche-nuit. Oh là 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 là. Moi qui voulais garder de Novan au moins jusqu'à la dernière arène si possible. Ok, bon. Misdibule. On va switcher. Loki, viens m'aider, s'il te plaît. Oh là 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 là. Purée, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais comment perdre des Pokémon bêtement, quoi, sérieux. Et dire que je voulais le garder jusqu'à la dernière arène au moins. Oh là là. Bon ben, faut faire avec, hein, c'est comme ça, mais c'est triste. C'est vraiment, vraiment, vraiment triste. C'est triste. Ok, bon. Isibule et KO, ouais. J'ai perdu, nanana. Waouh, super, super, super. Bon. Une maison ici, qu'est-ce que c'est que ça? Au bon pêcheur, machin. Ah, ça, je crois que c'est pour la méga canne. Hé, le baroudeur. Ça te dirait d'attraper des Pokémon aquatiques? J'ai une canne à pêche en rab, si tu veux. Et je reçois la méga canne. C'est magnifique. Machin, machin. Quand on pêche plusieurs Pokémon de suite, on parle de coup sur coup. C'est ma grande spécialité et ça m'a valu le surnom de capitaine. Mon record, c'est 7 fois de suite. Si tu me bats, je te donnerai une Scuba Ball. Ouais, pas intéressé. Pas intéressé. Bon. Route 16, chemin tristesse. Et donc là, je crois que c'est la route qui nous emmène à Illumis. Ouais, je crois que je reconnais ces PNJ-là. Et donc là, on est normalement à Illumis. Et c'est bien le cas. C'est bien le cas. Donc, est-ce que je m'arrête tout de suite? 28 minutes. La dernière fois, la vidéo faisait à peu près dans ces eaux-là. Je pense que je vais continuer un peu plus longtemps. Il faut juste que je trouve un centre Pokémon pour soigner mes bestioles. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah, je crois que j'en ai trouvé un. Voilà, ok. Bon, on va aller ici. Enfin, bienvenue au centre Pokémon. On va en profiter, pardon, pour mettre notre petit boostiflore au PC des Pokémon morts. Et d'ailleurs, là, j'ai plus de place. C'est ballot, j'ai plus de place sur le layout. Comment je vais faire? Je pense que je vais devoir superposer les Pokémon. Ça va être la joie. Ça va être la joie. Écoute, mon petit boostiflore, merci de tes services. Dommage, j'aurais aimé te garder un peu plus longtemps. Ouais, attendez, je regarde juste un truc. Ranger les boîtes. Objet. Prendre lance en fleurs, voilà.
On s'emmerde, mouchoir soi, aucun objet, ok. Ok, ok, bon bah merci de tes services, mon petit. Et vraiment désolé de ce qui t'est arrivé, hein. Bon, bah on va pouvoir reprendre. Bon, alors du coup, on retourne par ici. Je crois que c'était bien cette porte-là. Oui, c'est bien cette porte-là. Ok, bon, je pense que je vais faire 40 minutes d'épisode grand maximum. On n'ira pas plus loin, je pense. Et là, il y a pas mal de pêcheurs. Oh là là, purée. Si j'avais encore mon Donovan, ça aurait été tellement rapide pour tous les battre, mais là... Scuba Ball. Bon, vu que vous m'aviez dit que j'avançais peut-être pas forcément assez vite dans les épisodes précédents, bah du coup, je vais m'abstenir de les affronter. Je pense que je vais le faire peut-être hors caméra ou ouais, je pense que je vais faire comme ça. Je pense qu'on va se quitter sur la capture d'un petit nouveau dans l'équipe. Attendez, là j'ai peur d'aller dans ces hautes herbes là. On va utiliser un repousse. Max repousse. Voilà, donc on va utiliser ça. Ok, donc là il y a un autre endroit où on doit aller. Purée, mais c'est tellement vaste comme zone, sérieux! Ok, donc ici une Pokéball qui contient plaque point. Donc ça c'est pour les Pokémon de type combat, je crois. Et un super bonbon en prime, c'est génial! Ok, donc alors. Toi je t'ai déjà affronté. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ah, là, il faut coupe. Est-ce que tu peux apprendre coupe, mon petit ronflex? Ah oui, lui, ça va être mon esclave ACS personnel. Ah, il peut pas. Oh, t'es trop nul. T'es trop nul. Bon, bah, du coup, je peux pas aller par là. Bon, il avait pas l'air d'y avoir quelque chose d'intéressant. Ouais, c'était juste pour aller vers la cascade. Bon, vu que j'ai déjà un Pokémon aquatique qui est mon petit Loki, je pense pas que j'ai besoin d'avoir un autre Pokémon aquatique, donc je pense que je vais plus tenter d'avoir un Pokémon terrestre. Si je pouvais avoir un Pokémon vol, ce serait le must, mais bon. Croisons les doigts, mes amis, en espérant tomber sur un truc bien. Et sur quoi je tombe? C'est une plaisanterie, quoi. Mais attendez, c'est une plaisanterie. Mais comment ça se fait que j'ai pas de chance comme ça? À moins qu'il soit de type insecte. Plante. S'il est de type plante, il y a peut-être possibilité que je daigne t'ajouter dans mon équipe. Mais quoi? Non, mais sérieusement, quoi. C'est une espèce de champignon en forme de Pokéball. Mais non, mais moi, je veux pas de ce truc. Mais bon, là, il y a pas le choix. Bon. J'espère qu'il est de type plante, vraiment. Comme ça, il pourra remplacer, j'ai envie de dire, Donovan. Je suis en train de parler de remplaçant à un Pokémon mort, quoi. C'est vraiment dégueulasse, mais bon, là, c'est la dure loi du challenge, hein, de l'Unlock Challenge. Et il est plante poison, donc il est du même type que Donovan, donc c'est plutôt cool. Son apparence de Pokéball trompe ses ennemis, qu'il étourdit à l'aide de ses spores empoisonnés. Comment je vais l'appeler du coup? Ah mais là niveau surnom j'ai personne en réserve je crois. Hein. Comment je vais pouvoir l'appeler? Bon. Là c'est pas le surnom de... Enfin le pseudo d'un des viewers de la série. C'est un surnom que j'ai décidé de lui donner comme ça. Voilà, champi. Rien de très original, encore une fois, mais bon. J'espère que tu as une bonne nature, mon ami. J'espère.
Donc, alors, résumé. T'as une hausse de vitesse et une baisse de défense, je crois. Post-sport peut paralyser, empoisonner, endormir au contact. Sérieux? Peut paralyser, empoisonner, endormir au contact. Ah, mais c'est cool ça. Il a giga sangsue, toxique, synthèse, doux parfum. Par contre, sa nature, il est pressé de nature. C'est pas ouf. Surtout une baisse de défense, moi je trouve pas ça énorme. De toute façon, encore une fois, voilà, vous allez croire que je me plains tout le temps, mais il faut être honnête, j'ai clairement pas de chance, quoi. À chaque fois que je capture un Pokémon, c'est toujours avec une nature de merde. À la limite, ça aurait pu être une nature neutre, mais non, faut toujours qu'on me donne la pire nature possible. C'est toujours comme ça. Et du coup, bah c'est triste. Bon, où est le... Ah, purée, où est-ce que c'est mon total soin? Je voulais l'utiliser pour Doxold. Voilà. Voilà. Et c'est bon. Ok. Bon, 36 minutes. Je vais pas tarder à m'arrêter. Regard vif, c'est un talent qui empêche la précision de diminuer. Ok. Non. Sur quoi j'aurais pu tomber d'autre? Ouais, bon, je suis pas mécontent de pas être tombé sur lui auparavant. On va faire aéropique. Balle graine. Ouais. Si tu veux, fais-toi plaise. Ça n'affecte pas. Ok. Bon, on va retenter aéropique dans ce cas. Ok. C'est génial. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Bon, on va réutiliser des repousses. Où est-ce qu'ils sont? Super repousse, voilà. Je crois que je suis déjà allé par ici. Je veux juste tout bien explorer pour être sûr. Toi, je t'ai déjà affronté, je crois. Ah non, du tout. Eux, ils sont deux. Je les ai pas encore affrontés. Donc toi, on va te soigner. On va te soigner et on va y aller comme ça. Allez, en espérant que... Ok, bon, d'accord. En fait, j'avais pas vu qu'ils étaient deux tout à l'heure. Donc la fille, j'avais déjà affronté, mais pas le garçon. Bon, je m'attendais à un combat double. Bon, c'est pas plus mal, clairement. Je vais pas me plaindre. Elexprint. On va faire tranche nuit. Morsure. Ok. Ok. Merci, mon petit, de t'être laissé tuer, c'est très gentil. Bon. Je pense qu'il est temps de conclure. Je sais que je dis ça depuis tout à l'heure, mais j'ai du mal à m'arrêter quand je commence, moi. Ouais, je peux pas aller par là. Bon, au pire, je regarderai hors caméra, c'est pas très grave. Bon, et ben on retourne à la frescale. Bon, du coup, c'est pas un épisode dans lequel on aura forcément beaucoup avancé dans le scénario, je vous l'accorde. Mais bon, il s'est quand même passé des choses, hein. On a perdu un Pokémon, encore une fois. Et on a pu en capturer un nouveau. Bon, c'est pas trop mal, voilà. 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 Ok.
Bon, eh bien, les gens, sur ce, c'était Setsky pour le 29e épisode de Pokémon Y en Unlock Challenge sur Nintendo 3DS. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour la suite. Ciao!